Eh bien bonsoir et bienvenue avec un petit café noir mené par notre cher réalisateur Radburger. Je lui cède immédiatement la parole et je vous souhaite de passer une bonne session en notre compagnie. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette petite session, session exploratoire de Café Noir, édition Ristretto. Un jeu de Doc Dandy aux éditions Lulu. Donc, voilà. Maintenant, sans trop, sans plus de préambule, je vais laisser les durs à cuire se présenter. Allons-y avec la grâce, allons-y avec la douceur, allons-y avec la douceur, en fait. Je vous laisse présenter Caroline Murphy. Caroline, c'est à toi. Je m'étais muté alors que je sais pas. Hey. Je vais jouer Caroline Murphy. Je suis une assassine qui a eu du sang sur les mains. J'ai pactisé avec certaines personnes qui sont de réputation plutôt mauvaise. Et j'ai quelques connexions, dont un millionnaire et un flic désabusé. Merci, Caroline. Maintenant, poursuivons avec avec Steve O'Donnell. Qui es-tu, Steve? Eh bien, bonsoir. Moi, c'est Steve O'Donnell et comme vous pouvez l'entendre, je suis irlandais d'origine. Alors, moi, je suis un peu un criminel la petite semaine, mais mon but dans la vie, c'est de me faire respecter. Quand on dit criminel, c'est un bien gros mot. Je suis plutôt un escroc, en fait. Je zone un peu dans les milieux de la finance. Et j'ai trouvé des pigeons pour les alléger d'un peu de leurs finances. Ils en ont toujours trop. Plumer les pigeons, c'est ça que je comprends. Exactement. Et maintenant, passons de l'autre côté, du côté de Jack. Jack O'Brien. Qui es-tu, Jack? Ouais, je suis Jack O'Brien, cet ancien boxeur qui a trempé dans des combats louches, des combats arrangés pour la pègre new-yorkaise. Et après avoir mangé trop de coups et bu trop d'alcool, je souffre maintenant de ce cancer incurable, cancer du foie, malheureusement. Voilà. Alors, messieurs, dames, vous êtes... La saison est pluvieuse à Rain City, comme un peu toutes les saisons. Les rues sont sombres, vous êtes du côté de la ville plus malfamée, où est-ce que vos récentes dévennes vous ont un peu amené à ce café-bar, à traîner dans un café-bar qui, ma foi, est devenu un peu votre repère, soir après soir. Et encore une fois, vous y êtes pour un peu peut-être boire, peut-être essayer de cuver ce manque de bol présentement qui est le vôtre. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous attire principalement dans ce petit café-bar? Outre le barman. Le barman, type qui est devenu votre ami. J'ai bien dit Wayne. Alors, vous êtes attablé. Quel est l'intérêt de ce café-bar? Dites-moi. C'est un café d'Irlandais. Ah. On est plusieurs à se réunir là. Et on jase. Après tout, les Murphy, les O'Donnell et les O'Brien. On en trouve à l'appel par ici. Et dites-moi, Caroline, toi,
Quel réconfort vas-tu chercher dans ce petit café-bar? C'est pas vraiment du réconfort, c'est davantage mon lieu de travail. Ah. C'est là où j'obtiens mes... Comment je pourrais dire ça? Soit certains ragots, parfois. Mm-hmm. Des fois, quelques missions payantes, des fois moins. Mais c'est surtout là que j'obtiens mes clients. Et de ton côté, Jack, qu'est-ce qui te raccroche à cet endroit lugubre, mal famé, des fois même déserté? Ah, c'est la promesse d'un verre de plus. Puis de peut-être un travail au noir, genre des jambes à casser ou ce genre de truc-là. Mm. Une dette à récupérer pour quelqu'un ou... Vous remarquez, Wayne, suite à les aux nouvelles de la journée de Rain City, du très gros contrat lucratif que Sinclair Industries a eu avec la marine pour de l'acier, qui est une des grosses usines de la ville qui emploie beaucoup de gens, de la sidérurgie, vous voyez, éteint la radio, met le jukebox, il vient voir, il dit « Hey Jack, allez, fais-moi plaisir, prends un café au lieu d'un whisky. Ça te fera du bien. » Ouais, peut-être, Wayne, peut-être. Alors, ça marche. Si tu m'en sers un. Ouais, ça marche. Allez. S'il m'en sert un, je vais attendre qu'il ait le dos tourné, puis je vais sortir une flasque de ma veste. Je vais en verser un peu dans mon café. Quand même content d'avoir fait une espèce de... une bon acte. Il se tourne et dit, toi, Caroline, tu veux... Martini on the rocks, comme à l'habitude. Et ça roule. Steve, ça va de ton côté? Ben, pas trop en ce moment. J'ai du mal à trouver des clients. Écoute, pour moi, ce sera un café noir. Et ça roule. Parlant de ça, Steve, tu sais, moi, j'aime bien ta gueule, mais un jour, quand t'auras un client, il faudra que tu me... faudra que tu payes ton ardoise, tu sais. Ouais, mais ça va arriver, ça va arriver. Hein. Oh, hey, pas de soucis, Mais tu penses à moi. Ah, mais je pense régulièrement à toi, rassure-toi. Hein. C'est à ce moment que... qu'un homme rentre dans l'espèce de petit bar. Je vous le montre. C'est Wayne. Tu me disais qu'il y avait peut-être ici des gens que je cherchais la dernière fois. Et là, vous voyez le barman dit. Fait juste un espèce de signe de tête en pointant vos trois gueules du menton, il dit. Je crois que ça cherche du boulot. Ah ouais? Est-ce qu'on va voir? Et voyez l'homme s'approche de vous. Il dit. C'est vous, à ce qui paraît, vous cherchez du boulot. Un peu de n'importe quoi ou vous êtes spécialisé? Les temps sont durs. Mais... ça dépend. Disons que si vous avez besoin de quelqu'un pour faire de la manutention, c'est pas vraiment nous, quoi. J'ai besoin de gens discrets. J'ai besoin que des gens discrets, mais des gens intelligents. Est-ce que j'ai les bonnes personnes? Il n'y aura pas de manutention.
Hein, c'est moi, là que... moi, j'ai toujours été discret à mon boulot. On ne m'y voyait pas. Donc, lieutenant, vous êtes en train de nous dire que la police de Rain City est constituée que de grosses brutes qui font du bruit partout? Et qui vous a dit que j'étais dans la police, ma belle? Bah, vous sentez le flic. À 2 kilomètres à la ronde. Moi, je dis qu'il sent plutôt le fric. Bon, écoutez-moi. Il y a un gars qui a disparu. Il y a un gars qui a disparu et sa femme aimerait bien le revoir. En fait, moi, je fais seulement que le recrutement parce que... Bon, parce que... Et si vous avez envie de faire un petit job de privé, eh bien, c'est pour vous, mais c'est pas... C'est rien d'officiel, vous comprenez? Oui, ce n'est que pour un ami, bien entendu. Ouais, pour une amie. Mais sachez qu'il y a quand même du... Il risque d'y avoir du remaniement politique dans tout ça. Il est là, le problème. Le gars qui a disparu, c'est un gros friquet. Alors, c'est... Je vous... lui dites de vous rencontrer ou vous préférez passer à autre chose? Ça dépend. Est-ce que c'est vous qui payez ou c'est lui? Oh, c'est elle. Moi, je suis un petit lieutenant de la police de Rain City. Y a pas de quoi fouetter un chat avec mon salaire. Ça, je vous en passe un papier. Dans ce cas-là, dites-lui de venir ici. Écoutez, il vous regarde les trois. Si ça vous dit, rendez-vous dans une heure à cet endroit. Et il met un papier sur la table. Il dit, vous seriez con de passer à côté de cette opportunité. C'est très payant. Mais juste une question comme ça. La police fait quoi, elle? Disons que, voyez-vous, c'est l'aspect politique de la chose qui nous empêche, qui m'empêche un peu d'agir à ma guise dans tout cet imbroglio. OK. Et juste pour être sûr qu'on se comprend bien, vous et moi, là, c'est mieux qu'on le retrouve vivant ou... Ouais. Certes. OK. Non, des fois... Oh oui. Espérons qu'il est toujours en vie. Alors, je lui dis de vous rencontrer. C'est parti. OK. Dans une heure à cet endroit. Et vous voyez, il s'avance à côté du bar. Tend un billet au barman. Le barman lui donne juste un petit shot de whisky. Il boit son whisky. Il le met sur la table et dit « Merci, Wayne. Ah, y a pas de problème, Sam. » Et le policier sort. Embarque dans une voiture parfaitement ajustée à son look de policier. Et il démarre. C'est-à-dire une voiture de police, finalement? Banalisée, mais... sur lequel vous voyez presque le gyrophare, là, tu sais, le gyrophare amovible qu'il va mettre sur le dessus de son... OK. Ben, vous le voyez presque qui traîne sur le tableau de bord. Alors, que faites-vous? Bon, ben, on a un rendez-vous dans une heure. Wayne... Là, ça va me prendre quelque chose de fort. T'es sûr? Ouais. Tu sais,
Tu sais, Jack, avec ta condition, tu aurais peut-être levé le pied, non? Bah, où j'en suis, ça change rien. Non, c'est toi qui vois. Et Whisky, et il vous amène, il amène la bouteille, il dit. Et si je peux revoir un peu de cet argent, ou cet bel argent que vous allez faire, eh bien, ça sera une bonne soirée. Et il vous sert un whisky, chacun. Le lieu de rendez-vous, c'est une place qu'on connaît, ça nous dit quelque chose? C'est... Oui, c'est... en fait, c'est le coin d'une rue. C'est le coin d'une rue qui est un peu particulier parce que tu sais qu'il y a une ruelle dans ce coin-là. OK. Tiens, Jack, je te donne mon shooter de whisky. Je ne mélange jamais les alcools. Ah, c'est très gentil, Caroline. Je lève mon verre, je te fais un petit signe de tête et je... cul sec. Dites-moi, vous connaissez... Vous connaissez... Est-ce que vous connaissez un peu les trois? Mais déjà, on est irlandais, non? Ah oui, ouais. Tous les Irlandais se connaissent. On fréquente le même café, fait que... Et puis, le, tu sais, le quartier irlandais, il est petit, hein? Ouais. Ah ouais. Mais est-ce que vous avez déjà... est-ce que vous gravitez tous un peu dans le même bain? Êtes-vous... avez-vous déjà travaillé ensemble? Avez-vous déjà... est-ce qu'il est déjà arrivé des choses entre vous? Dites-moi. C'est vrai que j'ai pu tourner un petit peu autour de Caroline jusqu'à ce que je réalise que c'était pas la personne autour de laquelle il fallait tourner. Que c'était dangereux pour la santé. Oui, et à partir de là, j'ai plutôt préféré lui proposer des jobs que des rendez-vous. Ah ouais. Ah, mais Caroline est ouverte au rendez-vous. Ça tout dépend de quel est le but. Et dans quel état d'esprit vous vous rendez à ce rendez-vous? Dans le cas de Caroline, avec méfiance. Parce que... Caroline en a vu d'autres. Et... qu'on le veuille ou non, ça sent le guet-apens. Peut-être pas le guet-apens ce soir, mais... qu'elle craint, c'est peut-être que les personnes qui ont, comment dire, de l'autorité cherchent un bouc émissaire pour se débarrasser d'une personne peu enviable dans leur cercle. Et qui de mieux que des gens de mauvaise fréquentation pour ça, hein? Ça paraît bien dans les médias après. Mm-hmm. Y allez-vous ensemble? C'est pas ce que je conseillerais aux deux autres, non. Moi, je dirais que peut-être arriver d'avance et un se cache dans la ruelle. Puis qu'il y a juste une personne qui rencontre la dame en question. OK. Fait que donc, comment ça se passe? Allez, messieurs, dames. Un petit tour rempli mout, ça vous intéresse? Ouais, ça me va. Je ne sais pas, je préfère appeler un taxi. Ou mieux pas qu'on soit vus tous les trois ensemble. Wayne, tu peux m'appeler un taxi, s'il te plaît? Ah ouais, madame. Ne vous inquiétez pas. On ne se perdra pas de vue.
Alors, vous... vous entrez dans vos... vous entrez dans vos véhicules. Le taxi va arriver, évidemment. Vous partez en auto. Dans votre véhicule, Jack... Jack et Steve, de quoi parlez-vous? Alors, je pense que je vais aborder le sujet de... de comment on va répartir la récompense. Après tout, bon, Caroline elle est bien gentille, mais les têtes ici, c'est nous, non? Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est... Steve, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui te fait dire que ça sent pas bon? Si la police veut pas s'en mêler, c'est que ça sent pas bon. Ouais, certes, des histoires de politique, a-t-il dit. Va falloir se renseigner. Faudra déjà voir ce qu'on va nous dire. Qu'est-ce qui peut bien nous arriver? Bon, en prendre plein la gueule encore une fois. Oui, non, mais je veux dire là, au rendez-vous où on va. Ah, rien de bien méchant, j'imagine. Hein? Vous, c'est pas très long. Vous êtes peut-être à 5 ou 6 pâtés de maison, mais vous, quand même, vous traversez de l'autre côté de la ville. Du côté peut-être un peu moins malfamé, du côté un peu plus... où il y a les bars, où il y a les cabarets, où il y a les salles de spectacle, les cinémas, la strip. Et c'est assez facile de voir le changement de décor. Les policiers commencent à être un peu plus présents et tout. Voilà. De ton côté, le taxi, est-ce qu'il arrive à peu près en même temps que les garçons dans leur voiture? Je suppose qu'il arrive un peu plus tard quand même. OK. Quand vous arrivez à environ un coin de rue du site de rendez-vous, que faites-vous? Est-ce que vous entendez Caroline? Est-ce que vous... Que faites-vous? Je pense qu'il faut attendre Caroline quand même. Après tout, en cas de grabuge, elle est montée course. Ouais, mais... Moi, je me cherche un coin, un coin de bâtisse, là, pour être un peu dans l'ombre, puis voir qui va se présenter. Écoute, c'est un... ça devient comme une espèce de dédale. Il y a certaines ruelles qui sont pédestres seulement, que tu peux pas vraiment y aller à pied, en auto. C'est quand même tough. Ça a pas été choisi pour rien, cet endroit-là. Hein. Théoriquement, là, il faut que tu t'en... faut que tu t'engages. Là, maintenant, il y a façon d'y aller sans être vu. Mais ça demande un peu de... Un peu de doigté. Écoute, ce que je vais te proposer, c'est que vous soyez en soutien et moi, je vais y aller. Moi, ça me va. On va peut-être attendre Caroline, alors. En fait, ce qui va arriver, c'est que... Là, j'ai stationné à Plymouth au lieu de rendez-vous. J'imagine qu'il y a une place qu'on peut stationner. Ouais. Oh, puis je vais juste sortir, puis je vais m'accoter sur la porte, puis je vais attendre. Parfait. Caroline arrive dans un beau taxi, paye le conducteur, ouvre son parapluie, débarque du véhicule. Évidemment, il pleut.
N'oublie pas c'est qui le maître présentement. Hey, on est à Rain City, il faut. Hey, écoute, les lois de genre. Fait que donc, vous la voyez de l'autre côté de la rue. Ok, je lève une main, enfin, un bras, en lui faisant signe pour qu'elle nous rejoigne. Hop, Miss. Je traverse la rue. Miss. Je traverse la rue de façon. Oui. Je traverse la rue de façon nonchalante en m'allumant une cigarette. Moi, je suis quand même un petit peu nerveux. On va. A priori, Jack va rester en soutien et à la limite nous on pourrait y aller. Qu'est-ce que t'en penses? Au pire, on passe pour un couple qui se balade. Un couple qui se balade. Oui, bon, ça va. Comme dans le bon vieux temps, Jack, ou du moins comme dans tes rêves. Oh, snap! Alors, Jack, c'est l'autre, moi, c'est Steve. Ah, ouais. J'ai toujours cru que c'était toi le boxeur. Je t'avoue que le sport, ça m'a jamais vraiment intéressé. Non, tous les Irlandais sont pas des boxeurs. Moi, je suis la tête. Moi. Je suis la tête. T'as vu mes bras? Je veux dire, si Jack me filait un coup de poing, même en me manquant, avec le vent, je prends un rhume. Alors, pour te dire. Hein. Mais moi, je suis la tête. Alors, on va faire comme je dis. Donc, toi et moi, on avance. Et Jack, tu nous suis discret, pas loin. Bon, ben d'accord, je lève mon coude pour qu'il me prenne par le bras, comme si on était un couple dans ce cas-là, et je place mon parapluie sur nos deux têtes. C'est à ce moment que vous voyez un véhicule de luxe s'approcher de l'endroit. Fait que donc, vous voyez le véhicule, donc, il passe, il fait juste... la porte de ce véhicule s'ouvre, hein? Et en fait, ce que vous voyez, c'est plus celui-là que je voulais mettre. Ouais, ça cogne sa porte. Quoi? Et là, ça se ferme. Oui. Et vous remarquez quelques hommes sortir d'un véhicule, mais il y a aussi une femme. Une femme avec une espèce de parapluie. Vous la voyez mal. Mais elle se dirige directement vers l'endroit qu'on vous a donné. Les hommes semblent plutôt se disperser, entrer dans les ombres, d'un endroit ou de l'autre, comme s'ils surveillaient la femme. Des gardes du corps, certainement. Que faites-vous? C'est un temps plutôt inopportun pour se promener, madame. Est-ce que tu lui dis ça? Oui. OK. Elle dit... ce qu'elle dit, c'est... Elle dit... Ah! Il n'y a pas de temps... Il n'y a aucun temps aucun mauvais temps ne peut m'empêcher d'être à l'heure à un rendez-vous. Et elle poursuit son chemin jusqu'à, sans trop se tourner vers toi, elle poursuit son chemin vers l'endroit du rendez-vous. Soit. Que faites-vous? Ça doit être elle. OK. Allons-y tranquillement. Je m'assure que Jack est à bonne distance pour ne pas m'entendre, et là, je glisse doucement à Caroline. Tu sais, je me disais, là, au niveau de la répartition de la récompense, bon, on est d'accord tous les deux que
C'est nous les têtes, quoi. Jack, à part des gros bras, il a pas grand-chose dans la caboche, hein. Tu me suis ? Oh, mais je te suis tout à fait. Ouais. Est-ce qu'elle vous dit... Ben, en fait, vous, est-ce que vous vous dirigez vers le... vers l'endroit où... où il est? Ben, on va peut-être rejoindre... où elle est, plutôt? Oui, ben, exactement, oui. OK. Ouais. À un moment donné, arrive, où... arrive oui, près d'elle, je pense que je vais simplement mentionner à voix haute. Ah, j'aime bien le son de la pluie qui tombe. N'est-ce pas, mon chéri? Ah, ça a toujours un effet apaisant, effectivement. Mmh. Est-ce la même chose pour vous, madame? Dis... Oh... Effectivement, ça a un son apaisant, mais beaucoup plus lorsqu'on... Beaucoup plus lorsque les gens qu'on attend sont à l'heure, n'est-ce pas? Vous aviez un rendez-vous avec un galant homme? Non, en fait, j'ai rendez-vous avec des gens, des professionnels... Et là, vous voyez, elle sort sa cigarette, elle dit « Monsieur, est-ce que vous avez du feu? » Toujours. Elle se penche vers toi et tu vois, en fait, tu vois le visage de l'inconnu. Dis-moi, est-ce que Steve est un fan de cinéma? Pas vraiment, mais... Enfin, quoique, ouais, pourquoi pas. J'allais dire, j'ai plus de contacts dans les finances que dans le cinéma. Ben, je vais vous demander de me faire tous les deux un test de... un test de six boulots avec un avantage. J'ai eu un succès. Et j'ai aussi un succès. Et un fumble. Ah, c'est bien. Non, c'est un succès. C'est un succès. Ah, c'est un succès. J'ai usé le fumble. C'est parfait. Eh bien, vous remarquez, vous reconnaissez tous les deux Darlene Sinclair, qui se trouve à être une des actrices du moment. Hmm. Très en vogue, jet set et tout. Voilà. Elle dit. Donc, c'est vous que j'ai. C'est vous qu'on. Le policier m'a envoyé qui peuvent me donner peut-être un coup de main dans le problème qui est le mien présentement. Tout dépend. Oui. Est-ce que votre problème en est un d'impresario, Madame Sinclair? Eh bien, non. Sachez que mon mari a disparu depuis quelques jours. Et j'aimerais bien le retrouver. J'aimerais vraiment beaucoup le retrouver. Par hasard, comme ça, vu qu'on connaît Madame Sinclair, est-ce qu'on connaîtrait via des potins le nom de son mari? Ben, fais-moi un test. C'est un test de six boulots. C'est un succès. Oh, bravo. Eh bien, oui, son mari est un magnat de l'acier. En fait, c'est le fondateur et propriétaire de Sinclair Industries. Une des plus grandes usines de... En fait, la plus grande usine de métallurgie de la région qui emploie beaucoup de gens. Et M. Sinclair serait disparu, donc est-ce que vous craignez qu'il ait
fait une rencontre malencontreuse, ou plutôt une rencontre beaucoup trop heureuse pour lui. Je crois tout simplement que mon mari est manquant. Et j'aimerais bien le retrouver. Sachez que j'aime mon mari. Oh. Et que ce qui lui arrive présentement me rend très inquiète. Alors êtes-vous les gens que je m'attends? Êtes-vous les gens qui peuvent m'aider ou êtes-vous seulement que des passants? Et est-ce que la récompense est à la hauteur de votre amour? Eh bien, je vous offre 5 000 $ tout de suite. Et 5 000 $ si vous retrouvez mon mari. Ce qui, à l'époque, était quand même une bonne somme, là. C'est énorme. Ça me semble énorme, oui, effectivement. Bon, vous savez qu'il va nous falloir quelques accès, notamment à ses bureaux. Je suppose qu'il a aussi un bureau chez vous. Alisha, tu vois, a dit, ce n'est pas un problème. Voici. Elle dépose au sol un espèce de petit sac en cuir. Elle dit, commencez avec ceci. Et à l'intérieur, il y a mes coordonnées. Si vous avez besoin de me rejoindre. Maintenant, bonne chance. Nous ne devrions pas nous revoir avant que vous ayez retrouvé mon mari. Peut-être c'est superflu de ma part, mais je vous invite à être prudent. Il est possible que des vautours se tente de s'emparer de la carcasse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais j'ai une petite question. Pourquoi est-ce que c'est pas la police qui s'en occupe? La police... Voyez-vous, la police s'en occupe, mais ils sont limités par leur... par les lois. Ils ne peuvent pas vraiment fouiller où ils veulent. Et moi, je veux que ça se fasse rapidement. Faites-moi un test de... Je dirais de flair, tiens. Allons-y avec un flair. Un succès dans les deux cas. Bravo. Écoutez, vous avez... Les deux, vous êtes... Ouais, on a beaucoup de flair. Beaucoup de flair. Écoutez, les deux, vous êtes un peu dans la même impression. C'est que la madame, elle a pas... Vous avez l'impression qu'elle veut plus peut-être s'assurer de quelque chose, mais elle semble peinée. Elle semble pas nécessairement très inquiète. Disons qu'elle vous presse de faire ce qu'il faut, mais... Est-ce pour les bonnes raisons? Ça, c'est une bonne question. Mais néanmoins, elle ne semble pas être une veuve éplorée, ça vous en conviendrez. Et à votre avis, y avait-il des personnes qui ont voulu à votre mari? Vous savez, mon mari avait plusieurs personnes qui étaient assez trousses. Pas assez trousses, mais qui auraient bien aimé
peut-être lui faire passer un sale quart d'heure. Commençons avec le chef du syndicat de son usine ou ses concurrents. Avec le gros contrat qu'ils viennent d'avoir avec l'industrie, vous savez. Ça l'a mis son nom sur plusieurs lèvres et pas tous des bienveillantes. Ça nous donne un début de piste. Bien, bonne chance. Oui, elle remet son... Elle reprend son parapluie, elle replace son espèce d'étoffe de fourrure qu'elle a autour du cou et avec une démarche un peu... je dirais... pas chaloupée, mais peut-être plus... séductrice, elle dit. J'ai confiance. Revenez-moi rapidement. Et elle quitte. Bon, une fois qu'elle est partie, je suppose qu'on va rejoindre Jack pour lui expliquer qu'on nous offre $3,000 tout de suite et $5,000 à la fin pour retrouver son mari. Quel escroc. Attention, si Jack l'apprend, ça va mal finir. Donc ça fait $1,000 chacun, c'est bien. Que faites-vous maintenant? Bon, a priori, il avait des problèmes avec le président du syndicat de son usine. Et comme il avait signé un gros contrat récemment, quelques-uns de ses opposants dans le milieu pouvaient lui en vouloir. Ensuite, on pourrait peut-être trouver des choses intéressantes dans son bureau aussi bien à son domicile qu'à l'usine. Après, comme la police enquête, mais qu'ils ne peuvent pas avancer, ils ont peut-être déjà des informations. Donc on pourrait retourner voir le lieutenant et lui demander de nous fournir ce qu'ils ont. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allons-y pour ça. Si vous voulez voir les flics, ça sera sans moi, par contre. Il t'a pas tapé dans l'œil? Personne portant un badge ne me tape dans l'œil. De toute façon, de ce que je sais, il n'y a personne qui pourrait même te taper vraiment dans l'œil. Bref. On commence par quoi? Moi, je dis que... Là, on n'a pas rien donné, elle? Elle vous a pas aucune indice, rien? Elle semblait pas plus éplorée que ça, mais quand même un petit peu inquiète et pressante. Peut-être bien que ce qui l'inquiète le plus, c'est de perdre son statut, en fait. Je ne sais pas. J'en sais pas plus. Après tout, c'est une actrice connue. Darlene Sinclair. Oh! Sinclair, comme dans... Sinclair... Oui, cette Sinclair-là. OK! Et le mari en question, c'est Monsieur Sinclair, des Industries Sinclair. Oh, je vois. Moi, je pourrais peut-être faire un appel. Ça pourrait peut-être aider. On pourrait essayer de voir aussi si par hasard il n'y aurait pas une liaison du côté de Darlene et un éventuel petit ami qui aurait voulu se débarrasser de la concurrence légitime.
Bon, t'as donné plein d'idées là, meneur de jeu. Hein? moi, je vous laisse aller. Que faites-vous maintenant? Vous êtes les trois dans l'auto, au coin d'une rue pas très passante. Et effectivement, vous avez... Regardez-vous dans le sac. Ah, moi, je vais regarder, ouais. Bon, vous trouvez, dans un premier temps, effectivement, 5 000 $. Mais non, 3 000. À moins que... Ah, 3 000, ouais, vous avez déjà... si je vois Caroline avec dans mon miroir là, qui est en train de fouiller dans un sac, je lui demande c'est quoi qu'il y a là-dedans. Tu sais, je dois voir là, que... Ou si était assis en avant et que Steve était assis en arrière, je le vois encore plus. Ouais. Mais écoutez... Non, regarde bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais te dire 3 000 $, mais je vais te faire 5 clins d'œil. Furtif. Est-ce que... Fais-moi un test de... Attends, fais-moi un test de... De ciboulot, tiens. À moi ou... Non, à Jack, voir s'il comprend le stratagème. Ben non, pas à tout. Il fait noir. Hein, non, il fait noir dans le tour. C'est un boxeur. All right. Il y a un œil au beurre noir déjà, c'est avec sa vie-là qui me regarde. Écoute, on peut pas avoir des forces partout. Hein. Non, c'est clair. Fait qu'effectivement, t'as pas compris le stratagème, mais non, néanmoins... Fait que tu regardes ça, écoute, c'est ce qu'on semble te 3 000 $, vous remarquez, il y a des clés. Ah ben ça, je vais les sortir, par exemple, pour les montrer. C'est les clés de... Il y a plusieurs clés, un trousseau, en fait, c'est les clés de... Avec un espèce de petit porte-clés en métal gravé, là, Sinclair Industries. Hmm. Et c'est ça que vous avez. Ah oui, c'est vrai, il y a un petit carnet. Un carnet dans lequel il y a 2 numéros de téléphone. Le numéro au studio où Darlene Sinclair travaille et un numéro chez elle, un numéro personnel. OK. Fait que je vais juste dire, en resserrant le carnet dans le petit sac, 2 numéros pour la contacter. Et ceci, puis là, je vais faire jouer des clés là, pour que vous entendiez un gadling. Là, je propose que ce soir, on aille fouiller dans le bureau de l'usine. Mais ces clés-là rouvrent quoi, au juste? On ne sait pas. Ah, d'après ce que je peux voir sur les clés, c'est Sinclair Industries eux-mêmes. Bon, ouais, commençons par là. Ça, c'est plus dans ma branche que d'aller parler aux flics. De toute façon, ça n'a rien d'aller parler aux flics. S'il aurait voulu s'impliquer, il l'aurait fait. C'est une bonne observation. Donc, quel est votre point? Quel est votre premier arrêt? Vous dirigez vers où? Les bureaux de Sinclair Industries. Oui, tout à fait. Puis, comme on a les clés, je veux dire, c'est pas rentré par effraction. Hein? Exact. En effet. Donc, pas vraiment à se cacher. Je vais embarquer avec vous, là, oui. Cette fois-ci, je vais embarquer avec vous. Vous faites le chemin. Vous en avez peut-être pour une quinzaine de minutes en voiture jusqu'au bureau de Sinclair Industries. Les bureaux, vous remarquez, vous êtes, c'est sur une espèce de terrain, d'un grand terrain où l'usine est en arrière. Bon, il y a tout l'espace de l'usine et tout ça. Mais il y a un bureau un peu plus, peut-être classe, qui est un bâtiment plutôt plus classe, qui est juste peut-être devant l'entrée grillagée, tout ça. C'est des portes en verre. Avec une espèce de hall d'entrée avec un gardien qui est là présentement à 7 h du soir. Et c'est un peu ça qu'il y a. C'est ce que vous voyez comme topo. Que faites-vous? Évidemment, le fait d'avoir des clés, ça ne veut pas nécessairement dire que le gardien, lui, a une directive de vous laisser passer ou quoi que ce soit.
Comment gérez-vous le truc? Caroline, t'as une idée? Ben, je regarde le trousseau de clés, voir s'il n'y a pas une clé, peut-être pour une porte par derrière, pour le concierge, je sais pas. Il va falloir que tu les essayes, mais il y a plusieurs clés. Ouais, ben, je vais peut-être suggérer ça à la place d'avoir à dealer avec le garde du corps au début, là, à l'entrée. Parfait. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais proposer. Les clés en main, je vais faire le tour de l'endroit pour voir pour une porte pour les services d'entretien ou quelque chose comme ça. Donc, tu commences à faire le tour du bâtiment physique. Tu commences à faire le tour du bâtiment et tout et tout. Est-ce que tu le fais de façon discrète ou plutôt... Ça va être de façon discrète, plutôt, oui. OK. Ben, je vais te demander un test de... Allons-y avec souplesse. OK. Oh! C'est un succès. Ma foi! Décris-moi un peu, comment ça se passe jusqu'à temps que tu trouves effectivement une porte en arrière, une porte de service? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Ce qu'on voit à l'écran, c'est... En fait, on ne me voit pas. Ce qu'on voit, c'est une ombre qui se déplace. Et parfois, simplement la fumée d'une cigarette que j'expire. Jusqu'à ce que j'arrive devant la porte, que j'essaie quelques clés. Évidemment, je regarde à gauche, à droite, s'il y a qui arrive. Et personne. Et puis, je finis par rentrer. Parfait. Effectivement, tu trouves la clé. Tu ouvres la porte de service à l'arrière. Est-ce que tu rentres seul ou t'es accompagné? Ouais, je pense que je vais l'accompagner. Ben, je vais leur faire signe de loin, là, une fois que c'est fait, qu'ils peuvent s'approcher. C'est bon. Parfait. Est-ce que vous y allez tous les deux? Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui reste dans l'auto? Est-ce que... Moi, j'y vais. J'y vais. Moi aussi. Parfait. Donc, vous vous approchez tous les deux. La porte mène dans une espèce de réception pour des marchandises, des trucs comme ça. C'est pas une très grande réception, mais vous remarquez qu'il y a des produits nettoyants, plein de trucs de ce genre-là. Un petit chariot pour soulever des charges et ainsi de suite. Il y a une porte un peu plus loin qui semble peut-être née à un corridor qui mène aux ascenseurs. Que faites-vous? Je vais m'avancer avant pour sonder le corridor, voir s'il n'y a pas quelqu'un, peut-être le garde qui fait sa ronde. On trouve un petit peu la porte. Trouve un petit peu la porte du. Ben oui. OK. Quand tu ouvres un petit peu la porte, tu remarques le. Le gardien de sécurité, le... Oui, il se rassoit et il reprend son espèce de bande dessinée et il commence à lire tranquillement, comme s'il venait de terminer sa ronde. T'es en train de lire un Batman? Ouais, quelque chose comme ça, ou un Archie, un Superman. Ça peut être un Superman. Ça peut être un Superman. Alors voici, il se rassoit... bien confortable pendant que... Ce qui semble te laisser quand même quelques minutes pour agir. Est-ce qu'il va falloir qu'on passe par lui pour aller aux ascenseurs? En fait, vous êtes... Disons que
Si toi, t'es le point A, lui, c'est le point D. Entre vous, il y a le point B, qui est l'ascenseur. C, qui est les escaliers. Donc, les escaliers sont plus proches de lui. Et les ascenseurs sont plus proches de vous. Tout ça entre vous deux. Mais attention. Lui, s'il se tourne, il y a une vue sur le corridor. Donc, il voit ce qui se passe dans le corridor. Mais là, présentement, il fait face à la porte principale, la première porte vitrée, la porte principale du bâtiment. OK. Je vais leur dire, j'ai une idée. Restez ici. Je vais faire diversion. Quand vous aurez l'occasion, montez par les escaliers. Ça me va, OK. Puis je vais donner les clés à Jack. Puis je vais sortir pour faire le tour, à retourner à l'entrée principale. OK. Donc, si je comprends bien, toi, tu sors par la porte arrière, tu fais le tour du bâtiment et tu t'en viens, dans le fond, à la porte en avant. C'est ce que je comprends? La porte vitrée. Oui. All right. Et les autres, vous attendez dans le fond qu'elle tape dans la porte ou quoi que ce soit? C'est cela. Et vous vous dirigez vers les ascenseurs ou vers les escaliers? Les escaliers, OK. Je vais te laisser faire un test. Allons-y avec un test de gueule pour Caroline. Et selon ton résultat, on va voir qu'est-ce qui va se passer. OK. OK. Comment? Oui. T'es-tu prête à payer le prix? Je vais payer le prix. Oh! Donc, on passe à la caisse. Excellent. Ah oui, passe à la caisse. Ça, ça commence bien. Ça, on aime ça. Donc, mais avant de passer à la caisse, dis-moi, comment ça se passe? Que fais-tu? Est-ce que... Décris-moi un peu la scène. Ouais, ce que je veux jouer, c'est jouer la femme ordinaire. Je vais ranger mon parapluie, je vais le ranger dans mon espèce de veston, pour faire comme si j'en avais pas. Je vais avoir les cheveux mouillés, comme si ça faisait comme 15 minutes que je suis pogné dehors. Je vais avoir l'air de celle qui a eu une crevaison, mais qu'il y a quelqu'un qui est venu puis qui a volé sa voiture, en fait. Puis là, elle est prise là, puis elle a besoin de téléphoner à quelqu'un de la famille qu'elle vienne la chercher. Là. Fait que là, elle va frapper dans la porte. Monsieur, j'ai besoin d'aide. All right. Fait que je suis complètement détrempé. Brasse-moi un D6, tiens. Un D6. Un 3. OK. Dis-moi, c'est quoi le mauvais penchant de Caroline? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est la drogue? Le mauvais penchant, ce serait la nicotine. Elle a une dépendance pour la nicotine. OK. Et là, on dirait que le stress et tout ça, c'est pas le genre de situation dans laquelle elle est très à l'aise. Écoute, on dirait que la nervosité embarque. Tu vas devoir satisfaire ton penchant très, très rapidement. À un moment donné, le garde arrive. Il défait le pen, il dit « Ouais, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Monsieur, j'ai eu une crevaison. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour venir changer mon pneu, puis il est parti avec ma voiture. Il était avec quelqu'un. Je pouvais pas me défendre. Il faudrait que j'appelle ma cousine qui vient me chercher. Elle est pas tellement loin. Est-ce que je peux prendre mon téléphone? Votre téléphone, en fait, pour l'appeler. J'ai l'air d'un club automobile, peut-être. Non, j'ai juste un peu d'aide, monsieur. Regardez, je suis détrempé. J'ai au moins un kilomètre à marcher. Qu'est-ce que vous faites les autres pendant ce temps-là?
Mais moi, je me dirige rapidement, mais le plus silencieusement possible vers l'aile. Cage d'escalier. Oui, moi, j'accompagne O'Brien. Je fais un débit de parole pour essayer de couvrir le bruit. Les deux, faites-moi un test de... Faites-moi un test de souplesse. C'est une réussite pour moi. Steve. Jack, t'ouvres la porte doucement, tu rentres dans la cage d'escalier. Steve, dis-moi, Steve, qu'est-ce qui... Où Steve a manqué le coup? Ah, je pense que je vais me prendre une poubelle, en fait. Ou limite un moment je m'appuie dessus, mais elle est pas très comment ça s'appelle, enfin, en tout cas elle tombe faisant beaucoup de bruit. Bon, écoute, une poubelle d'acier se met à tomber, bing bang ding ding ding, à terre, et là vous voyez lui, hey, mais qu'est-ce que c'est? Et il se tourne et il remarque la porte ouverte. D'instinct, tu vois, il met la main à son arme. Et là, il t'en regarde. C'était eux. C'était eux qui avaient volé ma voiture. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ah, c'est plausible. Fais-moi un test de gueule. OK. It's a success. Oh, yes. OK, ma petite dame, restez ici. Ne bougez pas. Je vais aller les... Ouais. Je vais aller voir ce qui se passe. Et tu vois, il prend le téléphone. Je pense... Non, je vais appeler la police. Allez-y. Ah, d'accord. Et tu vois, il se met à monter. Il ouvre la porte. Il y a quelqu'un? Qui est là? Miaou. Écoute, avec la face. Yo. Oh, fais-moi un test de. Ça serait cool. Un test de chat. Écoute, ça va être un test de gueule avec un désavantage. Non. Ah, moi, un failure. Non, okay. J'ai une failure. C'est dommage, hein. Oh. Ouais. Ça aurait été magnifique. Alors, vous entendez le garde, il dit... Dis, l'imbécile, tu me prends pour un con! Montrez-vous! Montrez-vous, je vous flague! Ok, je sors de l'angle. Je fais ok, monsieur, je... Le bâtiment pas très grand. Puis quand vous avez monté les marches, vous êtes déjà rendu peut-être au deux. Il y a le premier étage, le deuxième étage, dans le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième. Au deuxième étage, vous voyez, c'est écrit exécutive. Fait que donc, s'il y a quoi que ce soit, ça serait là. Fait que donc, Steve, tu vois l'exécutive. Fait que donc, vous seriez sur l'étage, en fait. Ouais, mais Jack est passé, lui. Jack. Ouais. Donc moi, je vais... justement, il s'est pas fait remarquer, lui. Donc, moi, je vais attirer l'attention du gars en sortant, en levant les bras. Parce qu'il a... Je suppose qu'il a son arme sortie et pointée vers moi. Ouais, exact. Et tu dis, allez, viens ici, toi. Puis derrière, vous allez entendre... Oui, police, oui. Il y a deux malfrats, ils sont introduits à St. Clair Industries. Évidemment, t'as pas appelé la police. Ben non. Moi, dans mes oreilles, j'entends comme... J'ai même pas composé rien. Mais c'est juste pour faire croire à l'autre que je le fais. Là. Quand, toi, tu commences à descendre, là, les marches, Et quand tu arrives peut-être à sa hauteur, au garde de sécurité, tu remarques, il regarde encore en arrière de toi et il fait un signe de tête. Comme s'il venait de faire signe à quelqu'un à l'arrière de toi. Je parle à Steve. Steve, hein? Oui.
Oui, ouais. Tout à fait. Bah écoute, je vais glisser un coup d'œil à l'arrière de moi. Fais... Oh non, tiens. Ce que tu vois, là, à l'arrière de toi, c'est dans l'espèce de fenêtre qui mène à la... La fenêtre dans la porte du... De l'étage, tout ce que tu vois, c'est un chapeau beige. Un chapeau beige avec un impair beige. Comme s'il y avait déjà quelqu'un sur l'étage avant que vous arriviez. Quelqu'un sur l'étage et Jack est en train de se diriger vers ce quelqu'un, quoi. En fait, Jack a déjà emprunté cette porte. Fais-moi un test de... Je vais te demander un test de flair, tiens. OK. Alors. Non, ça va pas passer. Ah, mais je vais te le donner l'avantage quand même. Ah, alors ça passe. Écoute, là, tu viens d'allumer. Il y avait quelqu'un sur l'étage qui semblait attendre. Et Jack a passé. Le deuxième homme a suivi, a fait signe au gardien et poursuit son chemin. Qu'est-ce que ça te dit, ça? J'ai pas tout compris. Jack et moi, on était censés passer en même temps. Ouais. Okay. Sauf que là, Jack a entré sur l'étage. Okay. Toi, t'as fait ton spectacle avec le gardien. Le gardien t'a mis en joue. Vous avez jasé un petit peu. Mm-hmm. Et le gardien, là, a fait signe à une autre personne qui était sur l'étage et qui n'est manifestement pas Jack. OK. Comme si des gens vous attendaient sur l'étage. D'accord. OK. Ça, j'ai bien compris. Maintenant, il dit, allez, suis-moi. Suis-moi, je t'en colle une. Écoute, je pense que c'est le moment d'être courageux et de penser à mon collègue là qui se retrouve peut-être dans un guépier. Et donc, je garde les mains en l'air et j'obéis. Okay. Parce que je ne suis pas du tout monté course. Quand vous arrivez en bas les deux... Vous êtes aussi surpris de voir deux véhicules de police qui arrivent directement devant la bâtisse. Ils sont pas sur les gyrophares, pas de sirène, pas rien. Mais vous voyez des policiers descendre du véhicule. Mmh. Ouais, ça sent pas bon, ça. Maintenant, Jack. Jack? Un étage obscur. Ouais. C'est obscur. Il y a quelques lumières, on dirait comme des veilleuses qui sont là pour probablement les gardiens de les gardiens de nuit, les gardiens de sécurité. Toi, tu t'avances là-dedans, tu vois au fond, il semble y avoir un très beau bureau, très lumineux avec des grandes fenêtres et tout. Ça semble clairement être le bureau du Big Boss. Là, tu dis qu'il y a une grande fenêtre. Ouais. Si je fais juste comme tasser la tête un peu pour voir par la fenêtre, ben, dans le bureau. Tu sais, la mode là, des murs à peu près, là, un espèce de lambris jusqu'à peut-être 4 pieds, et en haut, c'est des fenêtres avec des espèces de stores. Tu vois-tu ce que je veux dire? Ouais. Ça ressemble à ça. Fait que t'es capable de voir, dans le fond, tout. Tu vois le bureau. Tu vois le dessus du bureau. Tu vois le haut des dossiers des chaises. Tu vois l'espèce de bibliothèque avec l'espèce d'œuvre d'art. Tu vois la gigantesque bay window qui est là, qui semble voir de deux côtés du bâtiment. Donc, d'un côté et de l'autre bord, ça se trouve être l'usine. Mais tu vois pas s'il y a quelqu'un d'assis ou quoi que ce soit. Ça, le lambris te cache une bonne partie de ça. OK. Donc, je vais juste entrouvrir la porte le plus discrètement possible. Parfait. En jetant un œil
essayer de voir, m'assurer qu'il n'y a pas personne. Fais-moi un test de souplesse pour faire le plus discrètement, comme tu dis. Ah ben non. Ah. Écoute, la porte grince, un grincement qui te frappe. La porte ouvre peut-être de un pouce ou deux, mais c'est pas plus que ça. Parce que tu remarques comme si quelque chose bloquait la porte, une chaise, peut-être un meuble. Que fais-tu? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un? Est-ce que j'ai l'impression que... Ça, c'est dur à dire. Mais je veux dire, tu sais, ça a grincé. Il y a de quoi qui me bloque, mais si je fais juste... Tu sais, sans donner une poussée, je fais juste mettre un peu de pression. Est-ce que je ressens que ça peut bouger ou... Est-ce que c'est mou? Sans dire que c'est mou. Si tu pousses encore un petit peu, tu es capable d'entrer la tête dans l'endroit. Je vais pousser encore un petit peu, mais je vais comme me baisser. Ouais. Comme, tu sais, comme quand tu boxes, là, tu te penches pour éviter les coups. Pour pas être à ma pleine grandeur, comme ça, si jamais quelqu'un essaie de frapper, mais il s'attendra peut-être pas, il va frapper plus haut, puis je vais pouvoir réagir. Parfait. Tu pousses un peu, tu tentes ta tête à l'intérieur. Une autre drôle d'odeur te vient directement au nez. L'odeur d'alcool mêlée avec quelque chose qui... mêlée avec quelque chose d'autre. Quelque chose qui te rassure pas. Et c'est là que tu vois le Maccabée. Au sol. Derrière la porte. Un double tap. Deux balles. Une dans le chest, une dans la tête. Puis... Et tu vois, je te montre l'homme. Mais qui est-ce? C'est lui qui est à terre? C'est lui qui est à terre. C'est lui qu'on cherche? C'est lui que vous cherchez. Oh, ça va bien. C'est à ce moment-là que t'entends... Clic, clic! Allez jeter mon salopard. Mets-les en l'air. Je t'arrête pour meurtre. Toi et ta clique de truands. Ça vient d'où ces paroles-là? Ça vient d'en arrière de toi. Puis est-ce que ça a l'air d'être proche? Peut-être à peu près 3 ou 4 mètres. Tu remarques, quand tu tournes, tout ce que tu vois, c'est... Une haute taille, un chapeau beige et un imper beige. Et tu reconnais la voix. Fils de pute. tu sais, je suis comme accroupi pour regarder le cadavre. Lui, il est de l'autre côté. Lui, il est de l'autre bord, hein, c'est ça? Exact. Mais. Je m'étire la jambe et je referme la porte d'un coup de pied. Excellent. Tu vas me faire un test de... Fais-moi un test de souplesse. Et là, c'est une bonne idée de ne pas le manquer. Et c'est réussi! All right. Écoute, tu te jettes au sol, tu fermes la porte, mais tu as le temps de te jeter au sol et tu entends deux coups de feu. Pam, pam! Les fenêtres partent en éclats. Vous deux en bas, vous entendez deux coups de feu à l'étage. Les policiers entrent à l'intérieur. Ah ben, moi, en fait, je serais parti leur ouvrir la porte parce que je joue mon rôle encore. OK. Quand tu arrives pour ouvrir la porte... Et toi, Steve, t'entends les coups de feu, vous entendez les coups de feu? Il y a une chose que t'as remarqué, c'est que les policiers, avant même d'entrer dans le bâtiment, ont déjà la main sur leur... Ben moi, je suis comme... Ils sont par là, puis là, je leur pointe l'escalier.
Steve, tu fais quoi? Tu sais qu'il y a comme, tu sais, les poils sur ta nuque qui s'hérissent, là. Il y a quelque chose qui sent pas bon. OK. Il y a combien, au moment où il y a les coups de feu, il y a combien de policiers avec nous? Il y en a deux qui sont de l'autre côté de la porte. Il y a le veilleur de nuit qui est là, mais il y a aussi deux autres policiers dans le véhicule. D'accord. Et donc, quand il y a les coups de feu, les deux policiers et le veilleur de nuit ont l'attention attirée vers l'intérieur, c'est ça? Exact. OK. Écoutez, moi, je suis pas à monter course, moi. Hey, il va falloir que tu réagisses. Ouais, écoute, je vais tenter de réagir. Je vais tenter de les pousser à travers la porte pour qu'ils tombent à l'intérieur et pour refermer. Tiens, on va essayer ça. Fait que donc tu t'en vas, tu te rues sur la porte, tu refermes la porte et tu la verrouilles pour juste avoir à gérer le veilleur de nuit. C'est ouais, ce que je comprends. Par exemple, ouais, tiens, allez, c'est parti. OK. Parfait, vas-y, fais-moi un test. Je vais te demander un test. Ça pourrait être quoi, ça? Ce serait un petit peu de la vitesse, de la rapidité, donc peut-être de la souplesse. Ah oui, ça sera pas de force, mais ça va être effectivement de la souplesse. Allons-y avec souplesse. Allez, c'est parti. Et fail. Écoute, je pense que le moment est venu de... Payer, passer à la caisse. Ouais, passer à la caisse, ouais. OK, là, c'est pas un facile, là. Je vais te demander, tu vas pouvoir me brasser un des 10. Un des 10. Alors, comment ça marche, ton système de passer à la caisse? Pourquoi un des 10? Est-ce que donc, je dois faire le plus, le moins? Enfin, c'est... Non, plus que tu roules haut, plus c'est désastreux. OK. 1, voilà. Ah, c'est bon. La chance sourit même au chat noir, pas de contrepartie. Wow. Ah, c'était chanceux, un des 6. Ouais. Bam! Ben, je te laisse me décrire, vas-y. OK, donc je me précipite, à la limite, les policiers, il y en a un qui est un peu dans l'encadrement, j'arrive à le pousser, tu vois, et je referme violemment la porte, les clés étaient restées dessus, donc ça me permet de la verrouiller. Et à ce moment-là, il y a le veilleur de nuit qui doit certainement regarder dans ma direction, pas comprendre ce qui se passe tout de suite. Exact. Et là, j'envoie un regard vers Caroline, un regard, mais tu sais, genre le regard de chien battu. Ça tire moi de là. Oui. Oui. Et à ce moment-là, t'entends deux coups de feu dans la porte. À ta grande étonnement, le verre ne cède pas. C'est peut-être même une porte de métal, non? Sinon, on avait parlé que c'était c'était vitré à l'avant. Okay. Mais tu remarques, le verre se craquelle. Ouais. Ouais. Mais il ne cède pas, la porte, ça va en prendre plus que ça. Ça vous donne peut-être encore une chance de plus de réagir à ce moment-là. Caroline, tu fais quoi? Ben, écoute, moi, je vais remettre la situation en contexte, parce que là, on a parlé de ce qui se passait dans l'escalier. Moi, là, les policiers que j'ai laissés entrer, eux, ils m'ont laissé aller, ils m'ont pas arrêté ou quoi que ce soit. Ben, ils n'étaient pas encore rentrés dans le bâtiment, ils s'en venaient rentrer dans le bâtiment. T'avais ouvert la porte, tu jasais avec eux autres, ils s'en venaient rentrer, t'as ton ami... Steve, qui était juste au dernier moment, a poussé la porte, ferme la porte, la verrouille, et les policiers tirent, ils se mettent à tirer dans la porte. C'est ça qui se passe à date. Fait que donc, présentement, il n'y a pas eu de policiers qui sont entrés dans le bâtiment encore. Mais sauf qu'ils semblent pas très contents de ça. Fait que, ben, moi, c'est parce que je leur laissais entrer en voulant leur dire comme ils sont par là, tu sais. Mais là, tu me dis que... Je pense que ton plan vient de tomber à l'eau. Bon, écoute... Quelle est la situation? Qui est dos à moi, présentement? Oui, excuse-moi, moi, je visualise pas non plus qui est où, là. Parce que moi non plus, là. Qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur... Excellent, on va se faire ça. Complètement. Ça nous manque, les maps de donjons, hein.
Non, on visualise bien les choses. Hein. Regardez bien ça. Ici, c'est la porte d'entrée. D'entrée. Okay. On a ici Caroline, qui est juste à côté. On a juste à côté ici Steve, qui vient de se ruer dans la porte. Ici, on a un policier. Deux policiers. Il n'est pas dans l'escalier du tout, là, lui. Là. Non, non, il vient de... On a un véhicule, une autopatrouille. On a deuxième autopatrouille qui est ici, avec lequel il y a deux policiers à l'intérieur. Maintenant, si on continue, ça ressemble à ça. Et ici, il y avait comme une espèce de bureau du vigile. Là. Et lui est à peu près ici, si on veut. Parce que lui, dans le fond, il attendait un peu de voir ce qui se passait. Maintenant, si on continue, bon, ici, il y a un corridor qui s'en va comme ça. Il y a un corridor qui s'en va ici. Il y a un corridor qui s'en va là. Et ici, tu as la porte pour les marches. Ici, tu as les... My God, OK, les ascenseurs. Et là, au bout du corridor, tu as une porte comme ça ici. Et c'est de là que vous êtes venu. Et là, tu as l'espèce d'endroit pour l'endroit de chargement. C'est-tu plus clair? Steve, il a fait un esti de marche, là. Ben, il était ici. En fait, c'est probablement fait ça. Il s'est rué pour venir fermer la porte. Bon, ben, OK. Si c'est pour être comme ça, moi, je vais continuer à jouer mon rôle. Je vais reculer les bras dans les airs en regardant Steve en jouant j'ai peur de ce malfrat dont je ne connais rien. Puis je vais essayer de reculer... derrière... Parce que là, tu me dis qu'il y a deux gardes ici, là? Non, ça, c'est une chaise. C'est une chaise, bon. Ben, moi, je vais faire un dossier. Ouais, donc, on est à l'intérieur et les policiers sont à l'extérieur. Les policiers sont à l'extérieur. Comme tu as voulu, toi, tu as fermé la porte, tu l'as verrouillé, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est parfait. Bon, ben, OK. Ben, moi, je vais reculer là, de façon à ce que les policiers ne me voient pas, au moins. Parfait. Et que le garde qu'il y a là soit dos à moi. Lui va très certainement agir et il est probablement que les policiers aussi. Maintenant, je vais me tourner vers Jack. Jack, on dirait que tu viens de lui donner la chance de tirer. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? T'es dans le bureau du patron. Là, il a tiré au travers de la vitre, là. Ouais, lui, il vient de faire sauter les fenêtres. Boum, boum. Ah, ben moi, je sors mon Colt et je réplique. Fait que vas-y, fais-moi un test de dextérité. On va essayer de descendre du poulet, là. Là, tu sais que si tu fais ça... C'est lequel, dextérité? Ouais, dextérité. C'est souplesse dans le fond? Ouais, souplesse, excuse-moi. Mais c'est réussi! C'est réussi. Maintenant, tu peux brasser un D6. C'est un 6! Parfait. Et tu me rebrasses un autre D6. C'est un 5! Pas de problème. OK, parfait. Écoute, tu viens de l'atteindre, t'entends... Et c'est pas trop, là. Là, tu l'as perdu de vue. Que fais-tu? Ben, je fais juste relever la tête pour essayer de voir par la fenêtre. Il est-tu à terre? Il essaie-tu de se sauver? Qu'est-ce qu'il fait? Tu remarques, il est en train de... Il est carrément en train de... Écoute, tu l'as atteint, il s'est mis à couvert. Fait que quand tu lèves la tête, tu le vois plus. OK. Là, tu sais que t'es solidement dans la merde, hein? Ouais, Tu viens de tirer un policier, là. Ah, mais ouais, il m'a tiré dessus en premier. C'était ripou! Ah, ça... C'est une bonne chose, faudrait le prouver! Maintenant, que fais-tu? Est-ce que tu veux te pousser, c'est le temps, là? Ouais, ben c'est ce que je vais faire, je vais me pousser, là. Par où? Comment? De quelle façon? Mon plan, c'est d'ouvrir la porte du bureau le plus rapidement possible, me mettre à courir vers la cage d'escalier, tout en tirant
dans la direction où ce que j'ai l'impression qu'il est allé se cacher. OK. Parfait. Fais-moi un test de... On va commencer par faire un test de souplesse. Là, toi, tu t'en vas, là, tu veux te pousser. Vas-y, fais-moi un test de souplesse, voir comment ça se passe. C'est réussi. Eh hey, mon Dieu, ça va bien tes affaires? Oui, ça va bien là-dessus. Parfait. Moi, je vais tirer un coup, mais je vais me donner un désavantage, vu que tu as eu ton test de souplesse. Ça va ressembler à ceci. Mon Dieu, 2 des 20, 4 puis 2. OK. Ça va pas bien tes affaires? Non, ouais. 3 points de dommage. Bon, ben, je suis mort. On va dire que... Non, pas tout de suite, là. Pas tout de suite. Ben oui, j'avais rien que 2. J'ai commencé avec 2, tu sais. Ouais, mais oui, je sais. Mais je peux pas te... Attends une minute, je veux juste voir de quoi. Je pense qu'il y avait une règle spéciale sur les points de vie, parce que sinon, c'est 2 points de dommage. 2 points de vie en début, c'est comme pas beaucoup. T'avais quoi? T'avais un D8, toi, hein? C'est un jouet, ça. Ouais. Ouais, c'est un jouet, ça. Ouais, mais j'ai pas envie de tout de suite, on veut. C'est une démonstration. On veut jouer un petit peu. Attends une seconde. Je vais juste regarder les dés de vie. Là, qu'est-ce que ça dit? Pas les dés de vie, mais les dés de souffle. Parce que je pense que je peux te laisser partir à la moitié à la place du dé. Si je ne me trompe pas. Et c'est ce que je ferai. Ça te tente pas de passer à la caisse et réussir, Jack? Ben, je peux pas réussir. C'est lui qui a lancé le dé. C'est moi qui ai lancé le dé. C'est pas moi qui a manqué. Moi, j'ai réussi mon jet. OK, OK. Mais lui-ci, il a réussi. Hein? OK, regarde bien ça. Ouais, ce qu'on va faire, par exemple, c'est un peu ça. Je vais vous laisser commencer à moitié, minimum la moitié de votre dé de vie, là, parce que là, vous faire commencer à un ou deux points de vie, ça n'a pas de sens. Ça, je trouve pas ça le fun. Fait que donc, toi, tu avais un D8, fait que tu aurais 4 points de vie, c'est ça? C'est ça. Tu viens de manger une balle... une solide dans le bide, mais tu te rends jusqu'à la porte de l'escalier. Y a-tu moyen de payer le prix pour ça, pour que la balle ne me poigne pas? Non, c'est vraiment un test. OK. Ouais. OK. Fait que là, tu descends. Écoute, tu arrives à la porte des escaliers. Ça marche. Il y a juste toi, là. T'es tout seul. Rendu en bas. Avant d'ouvrir la porte, là, je prends mon temps, puis j'observe voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, parce que j'ai beau... tu sais, je suis peut-être pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais je me dis que lui, en haut, il doit pas être tout seul, là. Ben, first, lui, tu l'entends pas s'en venir vers toi. Okay, tu l'entends pas venir. Non, mais tu l'as blessé quand même pas pire, là. Quand t'arrives en bas... Maintenant, en bas, je pense que tu entends Caroline qui essaie de négocier son chemin. Tu as le vigile qui est là. Tu vois, la première chose, c'est qu'il met la main à son fusil dans l'espoir peut-être d'aller directement de le pointer sur Steve. Steve, tu fais quoi? Moi, je lève les mains en l'air et je commence à essayer de me déplacer latéralement pour l'éviter en disant ne tirez pas c'est pas ce que vous croyez, c'est un coup monté, il y a quelque chose qui va pas, on est censé enquêter sur la disparition de votre patron. Et là, tu vois, il t'arrive, vous regarde et dit: c'est bien ce qu'on va voir. Et là, tu vois qu'il commence à s'avancer vers la porte pour ouvrir la porte aux policiers. Et je lance de gros regards à Caroline. Ben oui, mais j'ai pas eu le temps encore de faire quoi que ce soit. C'est à toi. Que fais-tu, Caroline? Est-ce qu'il est dos à moi? Présentement, il est dos à la porte, là. Fait qu'il recule pour s'accoter sur la porte. C'est pour justement pas trop vous perdre de vue. Mais c'est à ce moment-là, Caroline, que tu vois... Calvaire. Non, mais j'ai jamais l'occasion d'avoir quelqu'un qui est dos à moi. C'est ça l'affaire. C'est à ce moment-là, par exemple, que tu remarques que Jack ouvre la porte. Doucement.
ici. Que faites-vous? Tu fais quoi, là? Lui, tu vois, il recule. Mais tu sais, en toi puis moi, là, il regarde d'un côté, il regarde de l'autre. Il se tourne vers Steve, il se tourne vers toi, il s'en va vers Steve. Moi, j'ai pas l'air menaçante pour lui. Là. Jusqu'à date, moi, lui, je lui ai dit qu'eux autres, c'était des malfrats. Il compte m'arrêter aussi. Lui, c'est pas lui. Écoute, présentement, il va juste ouvrir la porte pour laisser les polices faire leur job. C'est ça son plan, là. Mais en même temps, il vous a les deux, là. Il essaye de pas trop se faire avoir. Fait qu'il pointe d'un côté, pointe de l'autre, pointe d'un côté, pointe de l'autre. Oh, ben là, écoute, je vais attendre qu'il pointe vers Steve. Vers Steve. Puis okay. Je vais le viser dans la tête avec mon fusil. Ah, ouais! Voilà. Vas-y! Ça marche, il le fait. C'est beau. Et si tombe vers Steve, c'est à toi. Bon, ben, c'est... Moi, je sors mon Ruger Mark II silencieux. Puis, pouf! Balle dans la tête. Vas-y, fais-moi un test de souplesse avec ça. Oui. J'ai cliqué dessus. Je vais payer le prix pour que ça fonctionne. OK. Écoute, ça va être c'est beaucoup. Ça va être un D10, toi aussi. Deux. Qu'est-ce que t'as, Steve ou Jack? Lequel des deux a peut-être pu aider Caroline dans cette histoire-là? Comment c'est possible? Qui a pu m'aider? Ouais, fait que là, t'as un coup de pouce, un copain vous aide. Je pense que dans la situation, c'est plus Steve. Steve, il a fait l'attention, quoi? Moi. Ah, qui t'attire l'attention. Fait que toi, t'es presque capable de t'approcher, presque à bout portant, pour le tirer, pour exécuter le garde froidement. C'est ça, là. Ben, je suis pas... J'ai pas besoin d'être à bout portant, mais... ouais, on peut dire que je vais... Ouais, OK. Tu peux écrire une dette à D6 envers Steve. Oh. Ben oui. Et Steve, écoute, une giclée de sang sur toi de la matière grise, c'est atroce. Mais Caroline, t'aurais simplement pu l'assommer, je ne sais pas. Oh là 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 là. L'assommer? C'est, j'imagine que c'est à ce moment-là que j'arrive ouais. En courant, la main sur... La main pleine de sang qui me tient le côté, puis je vous dis... C'est un foutu piège. Faut qu'on foute le camp d'ici. Oui, il y a des policiers dehors. Il faut qu'on parte. Je vous dis qu'il y a le fameux lieutenant Travis qui m'attendait en haut, qui s'est mis à me canarder. Les policiers se remettent à tirer dans les fenêtres. Ils veulent rentrer. Puis je vous dis, en passant, Sinclair, là, il est mort en haut. Deux balles. My God. Vite, vite. Passons par la porte de derrière. Ouais, ben c'est ce que je vais tenter de faire. Vas-y, Jack. Je vais aider Jack. Il a été blessé. Je vais l'aider à se déplacer. Parfait. Fait que donc, un, que la main, ça appelait. Vous ouvrez la porte qui est là, vers l'arrière. Et vous partez. Vous sortez du bâtiment. Et c'est quand vous ouvrez la porte du bâtiment pour vous sortir de cette situation, eh bien, c'est là qu'on va arrêter pour ce soir. Et on va voir la suite à la prochaine partie. Tadam!